Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous, vendredi 21 juin 2024, nous comptons rentrer la caillou pour voter pour nous. Eh bien, une nouvelle. Jeudi, en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC aux États-Unis. Mais quelques points n'a gagné pour une vie développer dans le journal là. Nomil Rameau installé jeudi, vendredi 21 juin 2024 là, comme directeur général police nationale là, lui remplacer dans pour ça France LB qui passait de l'année à 8 mois comme directeur général PNH. Notamment, trois policiers UTAG qui étaient morts d'Elma 18 ans chanté jeudi, vendredi, yon enterrement qui fait en présence Gary Conny. Mais pour autant, gagné directeur sortant PNH là, n'a parlé de France LB qui était brillé par absence. L'autre bord de l'eau, nous parler dans le pays Venezuela, eh bien, gagné président Nicolas Maduro qui déclarait que les papes contestaient résultats élections dans le pays Venezuela, n'a pas rappelé élections qui gagné pour fête 28 juillet Cap Vinila. Et puis, il y a un pays Canada qui décide de sanctionner 3 chefs gang haïtiens par rapport avec Zak banditisme que yo habitué fait dans pays. Eh bien, il y a un ministre Affaires étrangères pays Canada n'a parlé de Mélanie Jolie qui est confirmé information si là. Non, espoir pour que nous capables finir. Jeudi, il y a la France qui pas qu'à faire mieux qu'un match nul contre sélection néerlandaise. Point ça avec plusieurs les autres à venir développer dans le journal là non tita. Bien encore, n'a salué tout le monde qui connecté nous, n'a démarré avec information concernant la police nationale d'Haïti. C'est jeudi vendredi 21 juin 2024 là, Nomil Rameau installé comme directeur général à PNH là, il remplacé France LB qui était très décrié dans tête PNH là, n'a rappelé eh bien France LB, il passé 2 années 8 mois comme directeur général la police là. Cérémonie installation qui était faite en présence Premier ministre paysan Gary Conny, te gagné tout, eh bien, Carlos Hercule, qui c'est ministre justice là, qui était bel et bien présent dans la cérémonie installation SILA. C'est jeudi, vendredi 21 juin 2024 là, 3 policiers UTAG qui étaient morts dans la date 9 juin passé dans la zone Delma 18, mais cérémonie ça qui fait matin, une cérémonie qui fait en présence Premier ministre Gary Conny, mais pour autant, il y a un directeur, ancien directeur PNH là, n'a parlé de France LB qui pas présent dans la cérémonie si là. Nous parler l'autre bord de l'eau, nous parler question élection dans pays Venezuela, gagné Nicolas Maduro qui fait une grosse déclaration je ne jodi hein, lui déclarer, lui pas contester et résultat élection, n'importe résultat et eh bien qui t'a tombé dans élection qui est pour faite dans pays Venezuela dans date 28 juillet qui vient là, lui pas contester résultat ça yo. Dans pays Canada, eh bien Canada qui prend disposition là et yo décidé prendre sanction contre 3 gros chefs gang dans pays. 3 chefs gang ça yo c'est Luxon Elan qui lui-même c'est chef gang base gang Griff qui dans la Tibonite, gagné chef gang Cocoa de Saint-Raslan, n'a parlé de Ferdens qui lui-même sanctionné tout, et puis dans l'ouest pays gagné Gabriel Jean-Pierre alias Gabriel, nous connaît qui c'est chef gang Bouclin là, et bien dans Cité Soleil 3 monsieur ça yo sanctionné par rapport avec action malhonnête que yo tout à pratiquer dans le pays par rapport avec injustice que toujours a fait population haïtienne là, et pays Canada décidé pour prendre une sanction économique par rapport ensemble avec monsieur Sayo. N'a fini avec information dans sport pour nous parler de Coupe d'Europe là qui a continué dans le pays l'Allemagne. Eh bien, gagné deuxième journée dans groupe D1 qui t'a joué journée vendredi, gagné sélection française là qui t'a joué contre la sélection néerlandaise football et match football ça qui lui-même finit 0-0. Deux nations ça va obliger tonne troisième journée pour connaître si oui ou non est-ce que y a qualifié. C'est ensemble information ça que nous te gagne pour nous te ouais ensemble avec amis internautes yo n'a invité rester connecté pour que au capable gagner plus information toujours.
Vénézuélien Nicolas Maduro prend engagement pour le respecter résultat élection, quel que soit le candidat qui a porté vote là. En Haïti, Nomil Rameau, installé comme nouveau directeur police nationale là, a mission pour améliorer les conditions de travail même institution pour être capable de combattre l'insécurité. C'est quelqu'un qui a développé l'actualité, mais avant de développer pour ça, pour nous prendre à New York, que nous allons collaborer avec nous. Valérie Seri, bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Hubert. Alors, je vous dis à la sécurité des Nations Unies en réunion privée, ils ont rencontré en réunion privée, donc, puis ils sont capables de discuter sous cas pays d'Haïti. Et on a précisé que c'est pays Équateur et pays États-Unis qui demandaient réunion ça. Et bien, pour qui ça réunion, c'est puis ils ont une sorte de compte-rendu ou mise à jour sous force multinationale ça, force MSS, là, qui t'a supposé entrer en dedans pays d'Haïti pour aller combattre gang. On a rappelé que mission force là, c'est aller combattre gang et rétablir sécurité dans le pays. Eh bien, je dis à Conseil de sécurité, nous joignons un conseiller de sécurité pays Kenya lui-même, qui c'est Monica Juma, qui a baillé justement contre rendu ça. La baille mise à jour, à côté que la palais de, si vous voulez, et possibilité pour force à rentrer dans les jours à venir. Nous ne connaissons pas si après réunion ça, il y a bien une date et il y a bien une heure pour force à rentrer en Haïti. On a précisé que c'est plus passé 2500 personnels police qui sont supposés entrer en Haïti avec à la tête du pays Kenya, certainement. Eh bien, il y a discuté tout de budget qui est à voter, qui est déjà là pour que force la rentrer. Et c'est un déploiement qui a fait en Haïti en différentes phases, en différents moments. Il y a plusieurs pays qui déjà signent pour rentrer en Haïti et à travers force ça. On a rejoint le pays Jamaïque la dernière, on a rejoint le pays Bénin, on a rejoint le pays Kenya, certainement parmi plusieurs autres pays. Il y a l'autre pays tout qui est toujours en stand-by, il dit que beaucoup qui je prêt à rentrer dans force là, mais et c'est, il n'y a pas écarté possibilité ça. Eh bien, si vous ne parlez de budget, puisque je dis, c'est ça qu'on va parler, c'est ça qu'on va parler justement de réunion des Nations Unies en Conseil de sécurité, déjà nous connaissons que tu as 60 millions de dollars qui déjà t'es entré dans le Fonds des Nations Unies. Et ces pays-là, France, pays Canada, avec pays États-Unis, qui t'es bail comme ça. Et puis, États-Unis qui lui-même est très intéressé, qui d'ailleurs promet que la baille 300 millions de dollars pour logistique, pour le financer et certainement pour permettre force ça entrer en Haïti, déjà comme ça, déjà promet. Et nous rappelons que 60 millions de dollars, non comme ça, l'était déboursé et c'est à travers Congrès que comme ça est arrivé, déjà disponible, disposé pour Haïti et pour police nationale. Mais déjà, dans la date 19 juin qui se passe là, président Biden lui-même passé sous tête Congrès et lui voté, il y a l'autre 109 millions de dollars pour aller, pour aider force multinationale, ça, force MSS, là, entrer en Haïti. Là, c'est des signes très clairs, Jean-Aubert, que non seulement la communauté internationale, États-Unis, Nations Unies, eux-mêmes, ils ont déjà paré, ils ont déjà intention, ils ont exprimé intention pour force l'entrée, mais je dis, à travers réunion, ça, peut-être, ils ont discuté qui, gens, qui, comment, et qui date précisément que force multinationale, ça, force mission sécurité support à police nationale, là, entrer en Haïti. Donc, réunion toujours à dérouler en dedans Conseil de sécurité et Nations Unies. Nous ne connaissons pas qui date. Pour un peu de monde qui attend, qui toujours attend, eh bien, ça prouve, je dis, si une réunion en privé qui fait, c'est parce que l'intention est toujours là et il y a pu mettre devoir au propre à nous dire pour que force entre dans les prochains jours en Haïti. Jean-Robert? Merci un peu, Valérie Saint-Louis, pour mise à jour ça. Passez bon week-end. Merci. Dans l'autre point de domine actualité, à Cour suprême États-Unis, Kimbe, loi qui interdit moun qui commettent abus posséder ZAM. Nous voyons Sandra Le Maire pour plus de détails. Cour suprême États-Unis a appuyé une loi fédérale qui visait protéger victimes violences familiales, c'est-à-dire violences qui faites entre moun qui vivent ensemble. Juge a voté 8 pour et une contre vendredi en faveur d'une interdiction qui existait depuis 1994 contre ZAM pour moun qui en bas ordonnance restrictive qui mandait pour y rester loin avec madame ou mari ou soit partner. Juge a renversé décision au Cour fédéral d'appel dans la ville Nouvelle-Orléans qui a annulé loi ça. Révérend Patrick Mahoney a campé devant le tribunal là. In 1979 was held hostage in my church by a person with a gun. Monsieur dit yon moun ak zam te kembe mon otage en 1979. Donc moi comprendre trop mal ça, surtout pour femme qui fait face à violence familiale ak abus. Une dame qui fait face à violence familiale mande des documents empêcher au moun qui pas abuser le tracasser et puis il réaliser que il pas qu'à empêcher monsieur acheter un zam. Donc c'est un gros pas en avant pour femme qui fait face avec abus. So this is a very big step for women who are facing
abuse. Citoyen Maryland Gary Rausch bat bravo pour décision en tour. Il dit que jodi a c'était extrêmement bon décision. Ou connaît idée que moun k'a fait abus depuis plusieurs années k'a acheté zame et menacé pour yo touyer mari ou bien madame yo. C'est un bagage qui fou. Moi saisi et content. Tribunal là prend une série de décisions qui fait me comprendre OK, pas gen problème, yo pas dit moun fou k'a gen zame. Heureusement, yo tendait la raison. Moi content ouais ça. Nadine Seiler lui-même critiquait seul juge qui votait contre décision, Clarence Thomas. The fact that Thomas is the only dissenting person, I'm at a point right now for me, my opinion that Thomas is not about the law. Ni dit le fait que Thomas est seul juge qui votait contre, non, opinion pas M. Papiro passer la loi. Il récalcitrant. Ça y est là. Il toujours voulait opposer bagaille. L'a opposé sans n'y pas considérer loyaux. Ça doit ban nous en pile qui a sauté. C'est deuxième fois juge attendait une loi qui gagne pour avec deuxième amendement Constitution États-Unis, depuis yoté et tonne doit moun gagner pour acheter des armes en 2022. Dossier a été pour accoumoucher dans Texas que la justice accusée d'est-ce que les bat ménage li et puis menacé pour tirer. Moun tap veye dossier légal ça à cause potentiel li gagnen pour affecter cas côté au questionner droit moun gagnen pour posséder des armes dans certaines circonstances. Parmi cas ça yo gagnen dossier petit garçon président Hunter Biden. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, on a quitté actuellement Washington, nous parler directement dans Moyen-Orient, côté la guerre en Israël là a toujours des problèmes. Bien, secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres exprime inquiétude pour Liban, pas tourner une deuxième Gaza, une mise à jour avec collaborateur nous Jacques Belizer. Soldats la mes pays Israël pilonné encore Rafah ak plusieurs zones dans Gaza pendant yo engagé yo dans gros affrontement rapproché ak militants groupe palestinien Hamas. Monte kawe gwo chala gè ka pénétré nan pati l'ouest ak nord Rafah après yo te fin capturé parti l'est sud ak centre ville la. Troupes israéliens utilisé avion, chars de guerre, bateau pour mener opération yo, ça qui provoqué yon lot vague déplacement en dehors ville la qui te abrité plus passé yon million déplacés. Responsable santé palestinien yo dit au moins 30 palestiniens mouri jodi vendredi a. Yon l'autre côté gagné yon paquet timoun ki transporté dans l'hôpital Deir al-Bala et moun te kawe yon paquet trace la fumée dans ciel là après roquette qui sorti dans Gaza te prend direction Israël. Guerre Israël Hamas là dans Gaza provoqué yon vague violence dans frontière nord Israël ak Liban côté affrontement entre l'armée état hébreu ak Hezbollah yon allié Hamas prend yon l'autre dimension dans dernier semaine qui s'est passé là. Nouveau développement ça yo créé yon gros la Pérez pour pas gagner yon gros escalade violence dans région. C'est gros crainte pour secrétaire général l'ONU Antonio Guterres qui devant la presse dit le monde pas paré pour un deuxième Gaza. Let's be clear. On mette ça clair. Population dans région, population dans le monde pas capable vivre yon Liban kap tourner yon l'autre Gaza. Bilan guerre Israël Hamas la continue à pilou. D'après ministère santé Gaza que Hamas a dirigé, 37 431 Palestiniens t'a déjà mouri depuis opération Israël menée dans date 7 octobre 2024 là. L'armée Israël bon côté pal annoncé la mort de soldats, ça qui t'a metté à 310 moun li perdu depuis déclenchement opération terrestre dans Gaza dans date 27 octobre. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui crasait cabinet de guerre la semaine ça et qui s'amantait pour exterminer Hamas reprochait les États-Unis de ce que li pas délivré armes li besoin pour le finir à travail là. Semaine qui s'est passée là, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est fait 8e voyage dans la région Moyen-Orient réaffirmé engagement sans faille Washington pour sécurité Israël. Jacqueline Belizère, VOA Creole. Merci un peu Jacqueline, on a retourné ici aux États-Unis, un couple marié qui vivent dans Phoenix, Arizona. Eh bien, il réagit avec prudence après le décret président Biden prend pour légaliser immigrants illégaux qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un Américain, Chantier Augustin Junior. Parent Rosa Elena Sanchez, mexicaine, qui a 33 l'année, est entré aux États-Unis avec lui illégal, il a 11 l'année.
Rosa dit li considérer pays ça comme propre pays li. Malgré li marié ak yon citoyen américain, li gen business nan pays ya, li te appliqué pour ajuster estatil après mariage là, mais yo te refusé le résidence là. L'année passée, nous t'ai essayé ajuster situation immigration moyen. Nous t'ai commencé processus là et nous t'ai tellement assuré que toute bagaille t'a marché jusqu'à ce que moi t'ai gain interview avec immigration et puis yo t'ai refusé mon résidence là et puis yo mandé pour me quitter pays à dans 33 jours. Après décision président Joe Biden t'es annoncé mardi 18 juin 2024 là, yon nouveau effort pour bay plusieurs centaines milliers immigrants qui t'es entré illégal aux États-Unis, qui gen au moins 10 ans qui marié ak yon citoyen américain, yon façon pour yon jwenn résidence yo. Yon coupe Cap Vive Phoenix, t'ap expliqué comment yon te recevoir nouvelle là et comment yon comprend nouvelle ça. Me siento muy feliz. Moi sentim très content. C'est yon rêve que nous te travaille pour lui. Et ouais li réalisé, c'est yon bagay que moi pas même ka commencer expliquer Bonel comment moi te sentim. La felicidad que sentimos. Décision ça pas seulement pote ke content pour coupe ça, mais yon gen en pile inquiétude tout. Si toutefois président Biden pas ta retourner sous pouvoir après élection novembre 2024 là. I'm very worried. Moi inquiété en pile que nous ta ka tourner dans époque ça. Et puis si président Biden pas réélu, laisse ça, li pral difficile pour nous parce que tout ça qui rive jodi a ka annuler demain. If Biden is not re-elect. Si Biden pas réélu, c'est triste que moi penser ça. Moi vraiment peur. Parce que moi pas connais si nouveau président pas pral wete toute bagay nan men nou et puis nous pral fini moi pral fini nan Mexique. Nouveau programme ça pral permettre environ 500 000 mari madame ou soit petite ki poko gen 21 l'année yo appliquer pour résidence permanent sans yo pas voyager à l'étranger. Ça qui explique yon processus qui ka long ak séparation famille. Administration envise lancer programme nan mwa kap vini yo. Et puis, li poko clair combien temps li ta pran pou mari ou soit madame yo ka joine résidence permanent. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. N'après le sous même sujet ça, administration Biden a renouvelé programme estatif protection temporaire jusqu'au 9 mars 2025 pour immigrants qui sortent dans pays ça yo, nous passer là Salvador, Honduras, Népal, Nicaragua avec Soudan. Haïti poko la dan. Décision ça et prend quelques jours après administration été prend mesure pour légaliser statut mon citoyen qui vit dans pays a depuis 10 ans pour piviti et qui marié avec un américain Jean Chanty saute parler nous là. Sous question ça, avocat immigration Eddie Laguerre qui t'ai parlé avec journaliste Luxon Saint-Ville et ben la porte plus précision sous dernière décision ça administration été prend ça pas longtemps. Trois critères pour un monde qualifié pour programme qui fin venir. C'est un, l'autre rentre dans le pays a ou pas de gagner I-94, ou pas de gagner aucun son nan passeport, ou pas de gagner aucun statut légal l'autre après rentrer dans le pays a. Deux, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays a et 10 ans ça ou déjà gagner dans date 17 juin 2024 si elle garder ou déjà gagner et pas après ça venir. Et puis deux, ou déjà marié avec un citoyen américain dans la date 17 juin 2024 ou bien avant ça. OK? Donc, nous comprenons que les gens qui rentrent sous frontière là avec CBP1 qui est un I-94, décision ça pas concerné. Les gens qui rentrent dans le programme Biden qui gagne un I-94 qui rentre légalement dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui sont venus dans le pays il y a des années de cela, mais ils ont un visa touriste, ils sont venus avec, ils ont été avec dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui ne sont pas mariés avec un citoyen américain, décision ça pas concerné. Et enfin, les gens qui ont moins que 10 ans depuis qu'ils vivent aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de monde qui sont obligés de retourner dans le pays côté de sortie pour attendre résidence là malgré yo marié avec un citoyen américain. Donc qu'on y a là qui c'est après le fait pour moun sa capable appliquer pour un parole sous place, si m'ta ka mettel en créole pour me dire que moun sa fait parole sans le pas déplacer.
Ça veut dire, mon sa fait une application, et USCIS a bien pour l'avancer l'application avec frais que mon sa supposé payer. Et là, elle fait application ça, il y a bal un statut légal pendant 3 ans, et statut ça a venu avec forme que le pas de l'aide de la matérielle, qui c'est forme I-94 là. Forme I-94, lorsque mon sa vignée, donc la vignée salte besoin pour être capable d'ajuster statut. Et pendant ça, il y a balance statut pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça a gagné 4 travail. Et si il te gagné en caisse déportation dans le tribunal, il y a permettre que les protéger par rapport à qui ça, ça veut dire qu'à mander puis fermer qui ça même, parce que justement, les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation. Et au bout de 3 ans, ça, ou bien pendant une période de 3 ans, ça, il est capable de continuer à chercher à ajuster le statut. Donc, mon ça, c'est le monde qui est marié avec citoyen américain. Le programme ça a tout les bénéficier à ti moun qui gagne moins que 21 ans, qui c'est petit moun ça qui marié avec citoyen américain. Nous connaissons que les anti-monde ont moins que 21 ans et que parents anti-monde sont mariés avec un citoyen américain. Citoyen américain est capable à la fois de faire une pétition pour parents, qui c'est mari ou bien madame citoyen américain, hein, et puis il est capable de faire une pétition séparée pour petit monde qui est marié avec l'IA, qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils et belle-fille. Ça veut dire, dans le programme Parole in Place, là, petit monde ça, il est capable aussi de bénéficier de lui. Il n'est même pas obligé de gagner 10 ans depuis à vivre dans le pays, là, mais il faut que tu aies déjà gagné une relation beau-fils, belle-fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. Quand j'ai un monde vient beau-fils ou bien belle-fille selon la loi immigration pour un citoyen américain, c'est que maman ou bien papa ou t'es marié avec un citoyen américain avant ou t'es gagné l'âge 18 ans. Actualité dans le pays d'Haïti, nouveau directeur de police nationale là, Nomil Rameau, en bien rentré en fonction avec objectif pour lui améliorer les conditions policières. Yves Manuel. Autorité haïtienne en présence membre état-major police nationale d'Haïtien installé Nomil Rameau comme nouveau directeur général AI dans tête institution. Pendant une cérémonie qui est organisée dans la direction générale police nationale d'Haïtien, nouveau directeur a remercié membre conseil présidentiel, premier ministre et gouvernement pour confiance sur place dans lui. Conscient de dégradation situation sécurité a Nomil Rameau mandé tout secteur dans la vie nationale là pour porter coller dans l'idée pour capable de relever défi ça. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Président conseil présidentiel là qui t'a pris la parole dans ces circonstances là estimé installation M. Rameau dans tête PNH là c'est un nouveau souffle pour institution dans quatre batailles pour rétablir sécurité sur tout territoire national là. Edgar Leblanc fils t'a profité pour bailler quelques conseils avec nouveau DG. L'installation du nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti au fait d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province, contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Nomil Rameau fait retour dans la tête police nationale d'Haïti 4 années après l'été jeune révocation dans la même institution. Ça, côté institution, t'es souqué avec une crise sécurité qui était marquée par une rébellion dans la police nationale d'Haïti qui était orchestrée par le groupe Fantôme 509.
Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Dans mes cours, correspondant à Matado Vimé, quel citoyen a réagi sur l'installation du nouveau directeur de police nationale, là, Nomine Rameau? Citoyen qui s'allie à l'installation du nouveau directeur général de police nationale, là, Nomine Rameau, mandé pour conseil présidentiel transition ensemble avec le gouvernement Gary Konyan, by DG Police, là, bonjour accompagnement pour résoudre le problème d'insécurité. En tant que technicien qui formé, tant qu'en Haïti à l'étranger, M. Grand pile expertise que le métier et au profit de la police nationale. Mais pendant ce temps, les politiciens n'ont pas de bal moyen, n'ont pas de bal support politique pour appliquer ça que lui-même connaît comme bon technicien. C'est ça que fait journée aujourd'hui, là, comme bon technocrate, qui c'est Dr. Gary Konyan qui est sous pouvoir, nous demandons non seulement si lui-même avec CPT, le Conseil présidentiel de transition, choisit Nomine Rameau pour pacifier, pour sécuriser le pays, il faut que vous ne mettez en craie politique en donne. Nomine Rameau, c'est un policier qui gagne une capacité académique, pour ne pas dire professionnalisme, donc qui vient permettre que les retourner dans la tête de la police, non, ce que nous avons souhaité pour que Nomine Rameau lui-même soit capable, avec le peu qu'il soit, soit capable de montrer avec le peuple haïtien que li gagne yon capacité académique justement pour capable offrir yon service qui est équitable de manière à ce que pour que population est capable de circuler libre et libre. On est qui directeur la police aujourd'hui, on ne peut pas faire victime dans la police, on ne peut pas directeur la police. Parce que la police a 50% là-dedans qui corrompu, 50% qui pourri, 50% qui pas bon. Et je dis à me penser si Nomine Rameau a fait ça, nous pas de problème, n'a monté à bord, mais même pas pour Nomine Rameau. Quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord réagir dans micro avec devant caméra demander pour gagner un mariage police l'armée pour permettre la vie retourner dans pays a. Nous doit dire selon constat yo défi qui attend nouveau chef police la pas piti. Côté ces 10 commissariats et sous-commissariats avec plusieurs prisons bandi écrasé et puis mettez dife sans compter plusieurs milliers prisonniers qui dans la rue. Nous doit dire c'est jeudi vendredi 21 juin enterrement 3 policiers Itagio chanté en présence premier ministre Gary Konyan. Au commandement police là, Fami ak Fredam, Femitus Emelin, Clovis Peterson, Piton Wilken Jean Junior, qui de mouri en babal bandi 9 juin passé à. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vigne pour VOA Creole. Et le président Venezuela, Nicolas Maduro, a garanti la perspective des résultats de l'élection, quel que soit le candidat qui a emporté la victoire, c'est, et nous allons jouer Fred Kaimit. Dans le pays Venezuela, le président Nicolas Maduro, qui est candidat pour un troisième mandat dans l'élection 28 juillet prochain, prend engagement dans un document écrit, même Jean avec l'autre candidat, pour respecter les résultats de l'élection pendant l'arrestation des voisins politiques, toujours à continuer. Chef conseil électoral national, là, Elvis Abroso, un proche pouvoir, les documents qui engagent volonté absolue pour reconnaître quel que soit le résultat qu'a eu à bail. Et pour mener campagne dans un climat qui gagne respect, la paix et la participation démocratique. Là. 8 dans 10 candidats ont signé un document. Coalition principale opposition politique désire Pifonayo comme collaborateur Maduro, qui a intention de gagner votre opposition. Après le président Maduro a fini signer un document, il a déclaré quel que soit sage l'étoile, a dit c'est Amen. Pas de gain plus sabotage contre pays noir, pas de gain plus complot. Venezuela veut tranquillité. Candidat plateforme unité à coalition opposition qui vient comme leader Maria Corina Machado, qui paraît comme favori dans le sondage pour remporter l'élection, qui a été imposé par Kané, pas si un document qui a été imposé. Edmundo González s'est dit dans une note pour la presse, reconnaissance résultat a été déjà fait partie d'un accord qui a été signé dans le mois d'octobre entre gouvernement et opposition en Barbade qui était gagné comme médiateur pays Norvège. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es Madame Machado a dénoncé lundi l'arrestation de groupes et 37 militants politiques avant l'élection présidentielle. Criminalizando l'actividad electoral y la campaña. On parle de football, non. Copa América démarre hier soir à Atlanta. Marie Sophonie, lui, pour plus de détails.
Argentine bien démarré Copa. Devant plus passé 70 000 moun, officiels FIFA, artistes et fans dans Mercedes-Benz Stadium, la sélection Argentine champion en titre fait tomber l'équipe Canada qui a participé pour la première fois dans Copa 2-0. Malgré l'inexpérience Canada dans affaire Copa América, coéquipier Jonathan Davidio te bayan pile filaretot ak band Amesia, les Stéphane de sa 7 Canadien, ta pral rate pi gros occasion pour équipe Canada nan 43e minute de jeu. Premier mi-temps fini 0-0. Argentin yo te oblige tan jusqu'à 49e minute nan deuxième mi-temps pour ouvrir score par Julian Alvarez qui marque premier gol li nan compétition et tout premier gol li nan l'histoire Copa América. Après plusieurs occasions manquées bon côté tous des équipes, notamment par octuple ballon d'or à Lionel Messi qui passe 6 points marqué record. Messi vini premier joueur qui jouait 35 matchs dans l'histoire Copa América. Après 75e minute de jeu, Scaloni a décidé de mettre 109 dans l'attaque là. Il a pas retiré Julian Alvarez pour remplacer le par Lautaro Martinez. Ça qui t'a pas payé pour yo puisque après 4 minutes seulement, soit dans la 40e minute, Martinez, bien servi par Lionel Messi, scellé victoire pour l'Argentine après une succession de 12 passes. Malgré victoire ça, sélectionné argentin Lionel Scaloni pas paraître content dans déclaration après match yo. Li fait qu'on est si nous pas amélioré, n'a toujours été en bas roi. Scaloni fait déclaration ça yo pour critiquer qualité terrain que li croit qui ta à la base pièce présentation match football là. Prochain rendez-vous dans Copa América, c'est pita 8 PM toujours dans groupe A mais cette fois-ci dans ville Texas pour nous regarder Pérou face à Chili. Marie Sophonie lui depuis Atlanta pour VOA Creole. Nouvelle souveraine d'état haïtien yo avec Judo Ansé depuis Miami. Groupe musical Aosé Troubadour, dirigé par maestro, chanteur, compositeur, guitariste Level Vital, recevoir une appréciation Music Award week-end qui s'est passé là dans Pengbu Pines, État Floride, en bas main promoteur Alex Timer de Maxi Sound Production pour participation jazz dans l'évolution musique haïtienne. Maestro Level Vital, te remercié dans le micro VOA Creole et nous demandé à artiste là, comment est-ce que Aosé Troubadour contribue à l'évolution musique haïtienne? Celle ça me connaît, yo pas bay moun so pas mérité. Mba t'attend à ça, but yo pas bay moun so pas mérité. Là nous fait un premier album qui était relé acoustique Koroli. Nous te font album. Après ça nous vient font album qui est les Trouba Compa. Et me croit que c'est là que yo te découvrir Reginald Kangé qui te chanté pour patience dans album ça, c'est moi-même qui t'ai joué album ça. C'est à partir de là que t'es venu bien à Haïti Troubadour. C'est après nous faire l'album ça. Fabrice Ouzier jugé le nécessaire que le ouais projet est bon, projet est bel. Et l'album ça, il y a un paquet d'artistes qui j'ai été sous lui. Il y a Evan Jean qui j'ai été sous lui. Il y a Jude Jean, il y a Gina Alcangé, il y a Pochon Divergé, il y a Tidio Zeni, il y a Mamina. So, m'kwa c'est musique Mamina te joue saxophone Julia c'est lui qui original te kanje qui les prend patience. C'est album ça qui te mette à Troubadour en valeur qui te vienne faire Fabrice Ouzier faire Haïti Troubadour. Eh bien, bon, on a souhaité collaborer avec nous, Franquin Guédems, qui est sorti à Paris et qui vient de nous ici avec nous en Calade matin. Donc, nous comptons voir Guédems, bienvenue et continuez avec nous. Dans toute l'équipe, c'est ce qu'on a dit tout le monde. Merci. Rappelez-vous, jeudi, c'est vendredi. Si vous conduisez pas à consommer alcool et si vous consommez alcool pas à conduire, bon week-end tout le monde. Dans lundi, même côté. Bye bye.